de New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même discours. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. Il se passe quelque chose à Monopoly, cette ville où il n'arrivait jamais rien, où l'on appelait la police que si l'on avait perdu son chien. Il se passe quelque chose à Monopoly, cette ville nouvelle, cette ville modèle, avec ses souterrains à l'air conditionné et ses buildings de verre qui filtrent la lumière et ses banlieues chauffées à l'énergie solaire, où il n'y a plus d'été, où il n'y a plus d'hiver. Il se passe quelque chose à Monopoly, cette ville qui semblait faite pour le bonheur des hommes, qui maintenant aussi, à l'heure de la terreur, on ne sort plus le soir, à New York ou à Rome. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur. Il se passe quelque chose à Monopoly. Il se passe quelque chose à Monopoly. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur. Banlieue dortoir, on voit les étoiles noires descendre sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings, qui met le feu au building, toujours les étoiles noires. Alors, c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, change de trottoir, on n'a pas la vérité, mais on fait peu d'avoir. Les gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Les gars, tu vois du sang sur ton arme d'un rasoir. Ça fait comme les nerfs dans nos couillards quand on arrive en ville. tranquille, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on pense incognito. Le soir on change de faux et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Dans la ville tout est raide et plongé dans le noir. S'y promènent, ressortent sur des brancards. On agit sans mobile, ça nous paraît bizarre. C'est vrai qu'on est débile, c'est vrai par des espoirs. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir quand on arrive en ville. Tout ce qu'on veut, c'est heureux, être heureux avant les yeux. T'en avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut c'est heureux, être heureux avant des yeux. On prend tout ce qu'on veut, on viendra l'an 2000, on aura 40 ans. Si on vit pas maintenant, demain il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va c'est tout casser. Si vous allez danser, ne rentrez pas trop tard. De peur qu'on écrase notre jaguar. Préparez-vous pour la bagarre. C'est la panique sur les boulevards quand on arrive en depuis la capitale de l'hémisphère occidental. Ici Roger, voici le résumé des nouvelles nationales et internationales. Mesdames, messieurs, bonsoir. À la une de ce soir, encore les étoiles noires. Ce mouvement terroriste vient d'allonger la liste de ses crimes gratuits. En effet, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une centaine de personnes ont bien failli perdre la vie. Quand le système d'aération d'un souterrain d'habitation situé dans la zone industrielle a été déréglé par des mains criminelles. D'autre part, une bande de motards portant au front une étoile noire et une mitraillette au poing ont attaqué ce matin le métro aérien. Un convoi armé a été appelé dans la capitale par la police locale pour maîtriser ces étoiles noires qui veulent ébranler le pouvoir. En cette période électorale, nous en reparlerons dans notre éditorial. De temps en temps, je baisse le son de la télévision pour écouter un peu les conversations. C'est fou ce qu'on peut entendre, c'est fou ce qu'on peut voir quand on passe sa vie derrière un comptoir. Dans une conférence de presse qui a fait l'effet d'une bombe, l'homme le plus riche du monde, Zéro Janvier, célèbre constructeur de gratte-ciel, a annoncé sa candidature officielle aux élections qui éliront le président de l'Occident. En tant que chef incontesté du parti pris pour le progrès, Zéro Janvier s'est engagé à rétablir l'ordre dans la cité. Voici un court échantillon de ses déclarations. Nous partirons d'un nouveau monde atomique où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Laissons le passé aux nostalgiques, vivons l'aventure du futur. Si l'on veut diviser, de faire que la terre devienne un jour un seul pays totalitaire. L'Occident doit fermer ses frontières à toute influence étrangère. Un autre communiqué qu'on vient de recevoir, signé les Étoiles Noires, a revendiqué l'attentat d'hier soir. Un certain Johnny Rockfort serait l'homme fort des Étoiles Noires. Moi, les Étoiles Noires, je peux vous en parler. On les voit tous les soirs à l'Underground Café. C'est ici qu'ils préparent tous leurs attentats sous la direction d'une dénommée Sadia, une révolutionnaire, une fille à papa qui a des idées bien arrêtées. Mais quand on la voit, on ne dirait pas qu'elle sort de l'université. Regardez-la, la voilà, Sadia. Je marche dans la rue, j'entends les hommes qui murmurent. Regardez cette femme qu'elle a vue, c'est une femme comme n'en va plus. Est-ce une star en déconfiture? Est-ce une étoile du futur? Regardez-moi cette chevelure, cette chevelure d'un bleu azur. Mes coutures, messieurs, vous ne seriez pas déçus de découvrir ma vraie nature. Vous vendriez votre homme pour dormir dans mes bras, quitteriez vos femmes pour partir avec moi. M'appelez pas madame, sans savoir qui je suis. Je ne suis pas une femme, travesti de mon corps, travesti de mon âme, travesti de mon rêve, travesti de mon bras, travesti de mon jour, travesti de mon vie, travesti de mon amour, travesti de mon vie. Vous vendriez votre âme pour dormir dans mes bras, quitteriez vos formes pour partir avec moi. M'appelez pas madame, sans savoir qui je suis. Je ne suis pas une femme, je suis un travesti, travesti de mon corps, travesti de vos arts, travesti de vos rêves, travesti de vos draps, travesti de vos jours, travesti de mon vie, travesti de mon amour, travesti de mon vie. Je suis tout ce que vous voulez, je suis tout ce que vous pensez, je suis vos amours blessés, votre jeunesse envolée. Je suis vos désirs secrets et vos rêves étouffés. Je suis le sexe démystifié, je suis la violence personnifiée. À l'Underground Café, tout le monde s'est arrêté de parler et Johnny Rockfort s'est levé. Elle s'est approchée, elle s'est présentée, ils sont restés debout au bar. Ils ont parlé très tard. Flashback. J'ai entendu parler de toi et de ta bande de petits copains. Vous faites pas mal de bruit déjà, mais ça pourrait aller plus loin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut briser 0 janvier, c'est l'ennemi numéro 1. Il faut à tout prix l'empêcher de gagner encore du terrain. Moi je fais pas ça là pour t'hésiter. Tu es celui dont j'ai besoin pour arriver à mes fins. Si tu me suis, tu seras quelqu'un. Tu seras le chef des étoiles noires et nous renverserons les pouvoirs. Pourquoi ce nom bizarre des étoiles noires? Parce que dans les souterrains, les étoiles ne brillent pas fort, Monsieur Johnny Rockfort. Parce que dans les souterrains, les étoiles ne brillent pas fort, Monsieur Johnny Rockfort. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. À partir de ce jour-là, Johnny et Sadia ne se sont plus quittés. Et les étoiles noires ont fait la une des journaux du soir. Au fond, Johnny n'avait qu'une envie, c'était de faire parler de lui. On peut dire qu'il a réussi, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie de... Je veux pas travailler, juste pour travailler, pour gagner ma vie, comme on dit. Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime. Je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème. De temps en temps je gratte ma guitare. C'est tout ce que je sais faire de mes 10 doigts. Oh, j'ai jamais rêvé d'être une star. J'ai seulement envie d'être moi. Ma vie ne me ressemble pas. Je travaille à l'Underground Café. Il y a longtemps que j'ai pas vu le soleil. Dans mon univers souterrain, pour moi tous les jours sont pareils. Pour moi la vie ça sert à rien. Je suis comme un néon éteint. Je travaille à l'Underground Café. S'en aller cultiver ses tomates au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être bien. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Au soleil. Et voici maintenant l'émission préférée des jeunes de tout âge, l'émission numéro 1 dans tous les sondages, Starmania, présentée par Cristal, le sourire de Télécapital. Starmania, Starmania, pourquoi lui, pourquoi pas moi, Starmania. Aujourd'hui, Zéro Janvier, le leader du PPPP, qu'elle est allée rencontrer dans ses bureaux de la Tour Dorée, où il lui a exceptionnellement accordé une interview passionnante et passionnée, dont voici les meilleurs moments. Zéro Janvier, vous êtes un homme d'avenir. Quel conseil avez-vous donc à offrir à tous les jeunes qui rêvent de réussir? Croyez en vous, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Tous les matins, je reçois un courrier immense, des jeunes qui me demandent de leur donner leur chance. Regardez-moi, je suis parti de rien. Chacun doit forger son destin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir j'ai devant moi un homme que toutes les femmes voudraient connaître. Pour un instant, 0 janvier, je vous demanderai d'oublier le businessman riche et célèbre. Ma question, vous la connaissez. Si vous n'étiez pas qui vous êtes, dites-moi qui vous voudriez être. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau à haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Au moins êtes-vous heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur. Changer de peau, et pour pouvoir me retrouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste avant que le monde avait fait, pour pouvoir être anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste dire pourquoi j'existe, qu'une ambition, c'est de passer dans cette émission. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie. Il était 4 heures du matin, j'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café, et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré. Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête y a que de la musique, il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs il m'emmène danser dans des endroits très très gais, où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, et moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Je suis un enfant de la pollution. Lune et mouvant, je respire à fond. Moi le smog c'est ma drogue, je ne peux plus m'en passer. La nature et l'air pur, ça me fait plutôt tousser. Je suis bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. Je suis un maniaque de la télévision, juste en playback comme un bruit de fond. Besoin de bruit même la nuit, sinon je suis insomniaque. Les oiseaux, les crapauds, ça me rend paranoïaque. Besoin pour faire dodo, du ronron des motos. Le parfum de l'essence, ça me trouble l'essence. Quand j'ai mal à la tête, je fume une cigarette. Je vais faire mon jogging au milieu des buildings, les pieds sur le ciment, je suis dans mon élément. Les dimanches, je reste à la maison, je mange ma solo, je me volume à fond. Je suis content quand j'entends le téléphone qui sonne. La campagne, c'est le bagne, ça manque d'oxyde de carbone. Je suis bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. Je suis un agent de consommation. Quand j'ai de l'argent, je consomme à fond. Je m'endette, je m'achète tout ce qui me passe par la tête. Je me jette comme une bête sur le dernier gadget. Je vis mon petit train-train de citadin moyen. Je suis bien dans qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'attendais pas. J'avais envie de te montrer la lettre que je vais envoyer pour passer dans Starmania. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Je vais leur raconter ma vie. Est-ce que tu crois que ça suffit, ta vie? Mais ma vie tu la connais pas. Je voudrais leur dire aussi tout ce que je ne t'ai jamais dit. Moi, j'étais un fils à maman, et tous les soirs en m'endormant, on disait quand tu seras grand, tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant, dans la belle au bois dormant. Samedi après-midi, pendant que les gars du quartier jouaient au football ou au volley, moi je prenais des cours de ballet. C'est pour ça que t'avais pas d'amis. Oh, à 15 ans ma mère m'a donné au cadeau d'anniversaire. Dans un coffret, moi j'ai couru chez le disquaire le lendemain pour les changer. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le premier amour de ma vie, s'appelait David Bowie. Sa musique a changé ta vie. Moi j'ai changé mon nom pour lui. T'as changé ton nom pour lui. Je suis parti de chez ma mère, je suis retourné voir le disquaire. Il m'a engagé comme vendeur, mais maintenant je sais ce que je veux faire maintenant. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur. de rock. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur de rock. Le premier batteur au monde. Starmania, c'est pas toi Ziggy, c'est plutôt Johnny. D'ailleurs ça me donne une idée, je vais téléphoner à Télécapital et demander Cristal, en me faisant passer pour une amie à elle, que j'ai connue déjà dans une vie parallèle. Je vais lui proposer une interview en exclusivité avec Johnny Rockfort à l'Underground Café. Blague souterraine grande, corridor B, c'est le scoop de sa vie, elle peut pas passer à côté. Pour un scoop, c'est un scoop si tu dis la vérité. Pour un scoop, c'est un scoop si tu dis la vérité. 3 jours plus tard, vous auriez dû voir arrivé Cristal, quand Johnny Rockfort l'a aperçu, c'était fatal. Sadia n'existait plus, c'était fatal. Sadia n'existait plus. Moteur. Mesdames, messieurs, j'ai devant moi ce soir Johnny Rockfort, le chef des étoiles noires, qui pour des raisons évidentes ne nous montrera pas son vrai visage. Johnny Rockfort, on parle de vous partout. Et Johnny Rockfort, qui êtes-vous, devenez-vous, quel est le véritable personnage dissimulé derrière ce maquillage? Johnny Rockfort, voulez-vous être une star? Et Johnny Rockfort, pourquoi les étoiles noires? Votre philosophie terroriste, elle dénaturiste ou futuriste. Moi je me fous de la politique, j'ai jamais eu un journal et je m'en prends pas plus mal. Johnny Rockfort, un enfant du chômage. Johnny Rockfort, que pensez-vous du mariage? Mais qu'est-ce que vous aimez en musique? Quel est votre signe astrologique? Je m'appelle Johnny Rockfort. Je suis né dans la bande du Nord. J'ai grandi sur les trottoirs. J'ai pas choisi d'être un zonard. Ma mère est devenue folle parce que mon père buvait trop. À 15 ans j'ai quitté l'école et j'ai pris le premier métro. Sans froid ni louable, je veux vivre et mourir sans venir mieux. Je pars rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Y'a plus d'avenir sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Y'a plus d'avenir sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai jamais travaillé, mais je me suis bien débrouillé. Un jour je me suis retrouvé à l'Underground Café. J'ai rencontré tous mes amis d'aujourd'hui. Quand je sais pas où coucher, c'est là que je passe mes nuits. Sans froid ni loi, je veux vivre et mourir sans venir. Je pars rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Je veux vivre et mourir sans venir mieux. Je pars rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Pas de passé, pas d'avenir. Passé, pas de passé, pas d'avenir. 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 Pas d'avenir, pas de passé. Je suis née du beau côté des choses. Longtemps je suis restée la petite fille en rose. Mais moi aussi un jour je suis partie, parce que j'avais envie de vivre ma vie. Quand on s'appelle Cristal, on croit en son étoile. Qu'on vienne d'en haut, qu'on vienne d'en bas, qu'est-ce que ça change? Je te ressens bien plus que tu ne crois. Moi j'ai toujours rêvé de rencontrer un ange. Je suis venu au monde en criant au secours. Qu'on vienne d'en haut, qu'on vienne d'en bas, au fond qu'est-ce que ça change? Je suis venu au monde en criant au secours. Qu'on vienne d'en haut, qu'on vienne d'en bas, au fond, qu'est-ce que ça change? Je te ressens bien plus que tu te vois. Moi, j'ai toujours rêvé de rencontrer un ange. Je suis venu au monde en criant au secours. J'ai besoin d'amour. De 100 000 personnes, disent les organisateurs, et 50 000 personnes, selon les détracteurs, s'étaient rassemblées aujourd'hui dans le grand stade municipal pour écouter Zéro Janvier dévoiler son programme électoral. Zéro Janvier, président de l'Occident. Zéro Janvier, président de l'Occident. Zéro Janvier, président de l'Occident. La nouvelle vague terroriste, nous prendrons des mesures extrémistes, nous imposerons le retour à l'ordre. Si on ne peut pas vivre dans la concorde, nous mettrons la capitale sous la loi martiale. Zéro janvier, président de l'Occident. En ce qui concerne la pénurie d'énergie, vous connaissez déjà ma stratégie. Quand nous aurons vidé le fond des mers, nous serons prêts à vivre ailleurs que sur Terre. Notre prochaine capitale sera une station spatiale. Zéro janvier, président de l'Occident. Cessons de nous ruiner pour le tiers-monde qui nous remerciera bientôt avec des bombes. Assurons d'abord notre survivance. Je suis pour l'Occident l'homme de la dernière chance. Je suis pour l'Occident l'homme de la dernière chance. Nous bâtirons le nouveau monde atomique où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Laissons le passé aux nostalgiques, vivons l'aventure du futur. Mesdames, messieurs, nous interrompons le cours normal de nos émissions. Un bulletin spécial nous apprend que Cristal, le sourire de Télécapital, a été kidnappée au cours de la bagarre où elle s'était aventurée avec sa caméra à neutrons pour tenter de filmer les étoiles noires en pleine action. Vous voyez bien qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte à la télé. Si vous voulez savoir le fond de ma pensée, je crois pas qu'elle ait été enlevée par Johnny. Moi, je pense plutôt qu'elle s'est enfuie avec lui. Il n'y a plus d'avenir sur la terre. Il y a quelque chose qui tourne par rond dans le système solaire. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions, à nos prières, à nos prières. Qui nous dira ce qu'on fait là, dans ce monde qui ne nous ressemble pas? Qui nous dira ce qu'on fait là, dans ce monde qui ne nous ressemble pas? De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On tout ce numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. Mirabel ou Roissy, tout est partout pareil. Autour de la terre, on prend les mêmes charters pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Tout le monde a la queue leu-leu dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. Dans Monopoly, quand nos enfants auront 20 ans, nous on sera de notre temps, le temps d'avant Monopoly. Sur un banc, seul au milieu de Monopoly. Police dans toute la ville. Ici c'est devenu bien tranquille. Personne n'ose plus mettre les pieds à l'Underground Café. Et moi je lis des magazines où l'on voit la vie en rose, où on roule en limousine et on meurt d'overdose. La Cristal Spotlight surnommée la divine, devant les boucliers de la cause féminine, qui risquait de faire d'elle une passionnariat, a décidé d'abandonner le cinéma après avoir tourné ce film tant attendu, où pour la première fois on ne la verra pas nue. Ce film qui s'intitule Boulevard du crépuscule. Décidément, elle ne craint pas le ridicule. Ce film est un remake du célèbre classique dont elle adaptera le scénario à son histoire. Ensuite, elle parlera dans sa villa sous les tropiques pour écrire ses mémoires. On m'appelait Baby Doll, j'étais votre idole, mais je n'ai plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convole avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse, sont venus voir mourir le dernier sexe à vol. Venez tous applaudir à la femme d'une idole. J'ai passé ma vie à ne rien faire de ce qu'on m'a dit. J'ai passé ma vie à étouffer mes rêves, mes envies. Oh, dans la rue sans maquillage, personne ne s'arrête sur mon passage. Même ceux qui rêvent de moi la nuit dans leur lit. Vous ne voyez que la surface de ce monde en technicolore. Qui rêvait d'être à ma place, venez voir l'envers du décor. Moi ma drogue c'est l'alcool, je suis la vieille école. Quand je fume du hash, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle, toutes les nuits je rêve qu'on me viole. Je suis sage comme une image divine qu'on adore et qu'on adule, une image de magazine sur qui on éjacule. Seule sur mon acropole, je sens que je dégringole. Show business, sous le stress, il y avait le stress, il y avait ma jeunesse. On venait voir mourir le dernier sexe à vol. Venez voir, venez rire à la fin d'une idole. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma sortie. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma goodbye party, goodbye party. Devant les caméras du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma piscine dorée. Laissez-moi partir, laissez-moi mourir avant de vieillir. Vous qui m'avez volé ma vie, venez vous arracher ma mort. Laissez-moi partir. Laissez-moi mourir avant de vivre. t'aime et je vous embrasse. Je n'étais qu'un météore. Voulez-vous voir la mort en passe? Elle s'habille en technicolor. Qui peut bien m'envoyer cette gerbe d'orchidée accompagnée d'un télégramme? Et c'est signé Zéro Janvier. Permettez-moi, madame, de vous importuner. C'est avec émotion que j'ai appris votre intention d'abandonner votre carrière pourtant spectaculaire. Laissez-moi vous rappeler ce que vous avez été pour tous les hommes de ma génération, quand nous étions au front pour sauver la nation. Déesse de l'amour, déesse de la guerre, j'avais votre photo sur moi comme une relique, vous qui avez guidé ma carrière militaire. Voulez-vous présider ma carrière politique? Symbole de nos valeurs et de nos libertés, me ferez-vous l'honneur d'aller à mes côtés? Me ferez-vous l'honneur d'aller à mes côtés? Devant je veux bien m'incliner. Pour célébrer les adieux de la divine, le tout 7e art avait rendez-vous hier soir à la première de son dernier film, grande soirée de gala, qui avait lieu au Monopolis Opéra. Stella Spotlight a fait sensation en arrivant à la projection, accompagné de Zéro Janvier, le célibataire le plus convoité de l'actualité. Sans nouvelles de notre ami Cristal qui, on se le rappelle, a été kidnappé il y a un mois, du moins, c'est ce qu'on croit, par les étoiles noires. J'ai pas vu Johnny ni Sadia depuis ce fameux jour-là. Il paraît qu'il se cache quelque part dans un vieux hangar. Ils peuvent difficilement se montrer avec leur petit ami Cristal. Je dois encore nous préparer un joli scandale, un joli scandale. Maintenant ma petite, il va falloir revendiquer ton enlèvement. Je vais rédiger dès ce soir un communiqué détonnant. Je crois que ce serait plus fort d'envoyer à la télé un message qu'on filmerait, où j'écrirais au monde entier: au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Moi je dis que c'est elle qui a raison, laissons la faire à sa façon. C'est là qu'on voit que le petit garçon a bien appris sa leçon. Ok, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends les décisions. Oui, mais dis-moi, j'ai pas envie de jouer les seconds violons. Alors personne ne te retient, tu fais ce que tu veux. Johnny, je te préviens, tu joues avec le feu. Son regard a croisé mon regard comme un rayon laser. J'ai été projeté quelque part ailleurs que sur la terre. Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Comme la terre a besoin du soleil, besoin d'amour. Comme les étoiles ont besoin des étoiles, besoin d'amour. Comme le ciel a besoin de la mer. Comme l'été a besoin de l'hiver. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de vous, juste un peu d'amour. J'ai besoin de vous. Comme j'ai besoin de musique, besoin d'amour. Comme j'ai besoin de lumière, besoin d'amour. Comme j'ai besoin d'eau. Comme j'ai besoin d'air, besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Juste un peu d'amour. L'oiseau a besoin de ficelles pour voler, besoin d'amour. Comme la lune a besoin de la nuit pour briller, besoin d'amour. J'ai besoin d'amour, juste un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. Si vous voulez un homme nouveau, Zéro, c'est l'homme qu'il vous faut. Allez plus loin avec lui. Votez demain, aujourd'hui. Zéro, c'est l'homme qu'il vous faut. Après cette publicité, pour le moins inusitée, voici donc, tel que prévu, l'interview tant attendue de Zéro Janvier. Oh là là, je peux pas manquer ça, ça vaut la peine que je m'assoie, ça va barder là. Ici pour l'interroger, votre ami Roger Roger. Qu'avez-vous de neuf à déclarer, monsieur Zéro Janvier? Aïe, 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 aïe. Nous bâtirons le nouveau monde atomique, où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Mais ne craignez-vous pas que votre politique ne mène directement à la dictature? Un peu de courtoisie, je vous prie, je suis votre invité. Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. Vous n'allez pas vous contenter de nous chanter votre slogan, Quelles sont les priorités de votre gouvernement? Je vous parle d'un monde à réinventer, un monde où il ferait bon d'exister, où notre priorité serait d'assurer notre sécurité. Parlez-vous d'instaurer un état policier? Enfin, monsieur, voulez-vous m'écouter? Mais que comptez-vous faire contre la pauvreté? Je vous parle d'opter pour notre liberté. Je vous parle d'un monde où tout ne serait plus qu'ordre et beauté, luxe, calme et propreté. Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Nous regrettons, mesdames, messieurs, cet incident malencontreux, mais... Comment ça peut-il arriver? C'est du sabotage organisé! Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Ce message de Cristal nous a été transmis par des ondes spatiales dont l'usage est interdit. Décidément, cette Starmania, ça vous fait faire n'importe quoi. Je vous l'avais bien dit que Cristal nous préparait son petit scandale. Quant à Stella, je vous dis que celle-là, elle est vraiment tombée bien bas. Si vous voulez un homme nouveau, zéro, c'est l'âme qu'il vous faut. Oh! Des recherches sur le cancer. Tu sais que c'est très important pour ma carrière. Cristal est devenue une héroïne populaire depuis qu'on a reçu cette photo spectaculaire où on la voit avec Johnny Rockfort en costume d'étoile noire. Ce poster est partout en milliers d'exemplaires. Il faut qu'on fasse un coup d'éclat. Depuis que je suis avec toi, j'ai l'impression que tu recules. J'ai crié dans tous les médias que je partageais ton combat. Je ne veux pas être ridicule. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir quelqu'un à aimer. J'ai peur pour toi, tu sais. On pourrait s'en aller et tout recommencer. J'ai tout quitté pour toi. Ne me fais pas douter de moi. C'est trop tard, on n'a plus le choix. Il faut qu'on fasse un coup d'éclat. J'ai pensé qu'on pourrait faire sauter un supermarché pour offrir à tout le monde une entrecôte flambée. J'ai une meilleure idée. Si on faisait sauter la Tour Dorée de 0 janvier, on les ferait tous danser au milieu du brasier. Pour des fous, ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout, on se fout de tout, on se fout d'être malheureux, on s'aime encore mieux quand on a rien à perdre, quand on a rien à perdre. Si tu pars avec moi, je ne reviendrai plus jamais. Si je pars avec toi, j'oublierai qui j'étais. Tu seras la loi. Si je t'enchaîne à moi, tu aimeras tes chats. Je m'accrocherai à toi comme le lierre à un chat. Moi, des souterrains de Naziland, on trouvera bien un homme à plaire. On pourra vivre désespérément libre. On nous prend pour des fous. Ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout. On se fout de tout. On se fout d'être malheureux. On joue le vrai jeu quand on a plus rien à faire. Ziggy, qu'est-ce que je ferais sans lui? Il est toute ma vie. Il arrive toujours à minuit. Quand je l'attends, j'ai peur pour lui. Je me demande ce qu'il fait, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Te voilà, j'étais inquiète. Prends ton café et je suis prête. Marie-Jeanne, je regrette. Ce soir on n'ira pas danser. Je suis venue t'annoncer quelque chose qui va te faire de la peine, je suppose. Je ne viendrai plus te chercher tous les soirs pour aller danser. Je suis venue t'annoncer que je pars. Nos planètes se séparent. Ziggy, t'es mon seul ami. Tu sais, j'ai revu Sadia quelques fois. Elle m'a fait engager comme disjockey au Naziland, la discothèque de Zéro Janvier. Qu'est-ce que Sadia vient faire dans cette histoire? Elle a des amis au pouvoir. Alors elle a laissé tomber les étoiles noires. Si tu veux savoir la vérité, Sadia travaille pour Zéro Janvier. Ziggy, tu me fais marcher. Dis-moi que c'est pas vrai. musique apocalyptique. Je m'envole, je m'envole, je m'envole, assis derrière ma console. Oh, assis derrière ma console, je m'envole. Console. À la surprise générale, l'actrice Stella Spotlight vient d'annoncer son mariage avec Zéro Janvier, qui sera célébré dans l'intimité en la cathédrale Notre-Dame-des-Armées. Le soir, il y aura une réception géante au Naziland, la nouvelle discothèque tournante située au sommet de la Tour Dorée du complexe commercial Zéro Janvier. Le soleil brille en Naziland, sur les buildings de 100 étages, à bord de Howard et Marais, au 121e étage. Se voit, l'homme ne voit plus jamais son nom. La ville a étendu ses ailes sur toute la grandeur du pays. Les néons flashent dans le ciel et le jour ressemble à la nuit. Ce soir, on danse. Étoiles noires, je peux vous dire ce qu'ils vous préparent. Ne soyez pas surpris de les voir parmi vos invités ce soir. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Toutes les entrées sont bien gardées. Ils sont en train de mettre une bombe juste au-dessous de vos pieds. Vous feriez mieux de vérifier avant qu'ils ne puissent échapper. Ils n'en sortiront pas vivants si on arrive à temps. Le soleil brille au Naziland, de 100 étages, à cause de Howard et Marais, au 121e étage. Autour de nous ils tombent des bombes, plus besoin de creuser longtemps. On est tous des morts en vacances, mais on s'en fout, ce soir on danse. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. On danse au Naziland. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. J'ai besoin d'amour, au secours. J'ai besoin d'amour. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau que là-haut. D'en haut, j'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je crie, pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais mieux être un oiseau. Dodo l'enfant. Dans un instant, nous connaîtrons le résultat des élections. Dans 3 minutes exactement, nous vous révélerons le nom du président de l'Occident. Les candidats étaient nombreux, mais l'un d'entre eux a retenu toute l'attention par ses prises de position. C'est ce soir que nous saurons si, oui ou non, le peuple est avec lui, comme les sondages nous l'ont prédit. La mort brutale de Cristal et l'arrestation de Johnny Rockfort ont donné à Zéro Janvier une réputation d'homme fort qui pourrait lui valoir une éclatante victoire. Mesdames, Messieurs, il est 20h. Vous voyez le vainqueur apparaître sur vos écrans. Zéro Janvier est président de l'Occident. Nous l'apercevons au balcon du comité du PPPP. Stella Spotlight vient d'arriver à ses côtés où elle s'apprête à faire une déclaration. Stella Spotlight, nous vous écoutons. À moi l'honneur de proclamer la victoire de Zéro Janvier, l'homme qui est à mes côtés. Mesdames, Messieurs, vous ne voudrez pas y croire, Mais après tout, c'est vous qui avez voté. Telle est la volonté de la majorité. Zéro janvier, président de l'Occident. Zéro janvier, président de l'Occident. Si vous voulez savoir la morale de l'histoire, rentrez chez vous et regardez-vous dans votre miroir. Ou bien regardez-moi m'accrocher au pouvoir. Voyez où peut mener le désir d'être une star. Tu seras ma victoire, je serai ton pouvoir. Zéro janvier, président de l'Occident. Zéro janvier, président de l'Occident. À quoi ça sert de vouloir monter si haut? À quoi ça sert de vouloir être si beau, s'il ne reste plus rien, quand vient la fin du show, que la chaleur d'un spotlight sur la peau. L'univers est un star system. La terre poussière d'étoiles, la lune sera mon diadème pour mes noces transidérales. La voie lactée sera mon voile nuptial, ma robe de mariée, une aurore. J'ai rêvé d'être une star, j'ai rêvé d'être immortellement belle. Ce soir j'irai voir à travers le miroir si la vie est éternelle. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon univers. cherche le soleil au milieu de ma nuit. Stop, le monde est J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir, comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire, comme des châteaux de cartes. Seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte.